coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez aussi bien que moi. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je me sens tellement heureuse que j'ai juste envie de partager de la bonne humeur. Tout simplement. Il n'y a pas de raison particulière. Il ne s'est pas passé un truc de fou qui fasse que waouh, je sois heureuse. Mais je me sens bien, je me sens heureuse. Et c'est le partage de la journée, quoi. Tout simplement, il y a des fois quand je suis triste, je vous le fais ressentir. Il y a des fois quand je suis angoissée. Je le fais ressentir aussi, même si j'essaie de pas trop le montrer. Voilà. Et là, en plus, j'entends mes... Ah, elle est là. Mommy, yes. Inside the world of slime. Yeah. Give me a kiss. Oui. Aïe, maman. Get this. Aïe. Aïe. Aïe, j'ai récupéré tes colis. C'est bon, mon amour. C'est bon. Aïe, mon chéri. Aïe, mes amours. Oh, qu'est-ce que tu manges? Le bonbon. Le bonbon, tu as le droit. Un bisou à ce bonbon. Oui, un bisou. Un bisou. Oh. Oui, je t'aime. Un bisou. Un bisou. Elle est là, la joie. Regardez la touffe, quand je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Ça y est, je retrouve un bon volume. J'ai une bonne masse. Il reste que ça, qui est raide. Mais après, dès que je couperai, j'aurai mes cheveux totalement naturels. Je vais m'appliquer la brume auto-bronzante de chez Palm. Vous savez que moi, j'ai toute la collection, du coup, de mousse auto-bronzante. Et ça, c'est la brume. Appliquer sur son visage et son cou. Pour un effet bronzage instantané. Donc ça sèche en plus aussitôt sur la peau. Ça laisse pas de traces. Et c'est vraiment pour avoir un joli teint. C'est ça marche trop bien. Vraiment, ça marche super bien. Ça sèche rapidos. Ça sent bon la pastèque. J'arrive, mon amour. On y va? Ok. Let's go. Et il y a de l'acide hyaluronique pour la peau. Et ça, c'est super bon. Let's do it, mommy. Let's do it, baby. Ah, vas-y, ma chérie. Oui, un, deux. Oui, ma terre. Trois. You go to slide. Ok. Allez. One, two. Three. Let's go. One. Quelle fait choose? Two. Ici, ici, six, avec le deux. Écoutez-la, moi, celle-là. One, oui. Oui, mon amour. Allez, ma vie. Les cadeaux d'invité qu'on avait fait à mon mariage. Regardez comme c'est original. Ça, c'est un magnète. Donc, à venir accrocher à son frigo avec notre date. Il y a des petites feuilles d'or à l'intérieur. Ça, c'est une bougie. Pareil. 10 years later. Et je voulais aussi des dragées dans une fiole en verre, du coup. C'est trop doux, trop mimi. Et pareil, personnalisé à chaque fois avec le 10 years later. C'est chez Atelier Création. Atelier Création, vous savez que ça fait des années qu'on bosse ensemble. L'équipe, c'est des amours, ils sont juste adorables. Et du coup, c'est par eux que je suis passée pour ces petits cadeaux invités. Et on a des tas d'autres. Il y a différentes formes de bougies. Vous avez même des petits savons à offrir pour les invités. Les magnettes, il y avait différents modèles. Moi, j'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui m'a le plus plu. Mais il y a plein d'autres modèles. Pareil pour les dragées, pour les fioles. Et vous savez qu'Atelier Création, chez eux, on personnalise absolument tout. My God. Ça fait des mois et des mois que je rêvais de manger cette iconique Giant. Le long, il est obligatoire aussi, le long fish. Là, il y a une édition limitée en ce moment. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, c'est à base de guacamole. Donc ça, c'est Nono qui aime bien tester ce genre de délire. Moi, je reste sur du classique. Mais ça, c'est le meilleur burger du monde. Je viens de taper deux crocs. C'est juste un régal. Le Giant. Et pourtant, à Dubaï, on a tous les fast-foods. Tous, sans exception.
Mais je vous jure que plus que ça me manquait. Donne cette sauce du quick. Ouais. Bon appétit. C'est une petite recette ensemble. C'est une de mes soupes préférées que je mange beaucoup à Dubaï. C'est la soupe de lentilles. Donc c'est les lentilles comme ça, lentilles corail. Donc on a besoin d'oignons, une carotte, une pomme de terre, gousse d'ail. Et je vais vous montrer les étapes au fur et à mesure. C'est très simple. Voilà de quoi on va avoir besoin avec quelques épices. On va commencer par faire revenir l'oignon avec l'ail dans du beurre. Ça, on le mettra après pour la cuisson avec le bouillon et les lentilles. Mais là, je commence par faire ça. Donc moi, je vais le faire au thermomix. Mais sinon, vous le faites dans votre marmite. Revenir dans du beurre l'oignon avec l'ail. Mon oignon et mon ail sont mixés. J'ai ajouté un bon morceau de beurre. Et je vais laisser revenir pendant 5 minutes. Les oignons sont cuits. Je viens mettre les carottes et les pommes de terre. Lentilles corail. J'ajoute un bouillon de volaille. J'ajoute de l'eau bouillante et je mets du sel et du poivre. Je couvre et ça part en cuisson pour une bonne vingtaine de minutes. C'est ma soupe. Je vais ajouter du coup un peu de curcuma, un petit peu de cumin, encore un peu de paprika. Et puis ben là, c'est prêt. Vous avez une soupe excellente. Je viens de la goûter, elle a le même goût que celle que je mange à Dubaï. C'est trop bon. Bon, moi, je l'ai faite bien liquide puisque je la voulais comme ça. Mais vous pouvez, si vous voulez, mettre un peu moins d'eau. Hein. Ça va dépendre, mais c'est hyper facile et c'est surtout très bon pour la santé, cette soupe. Donc, ça va être le repas de ce soir, des enfants et puis le nôtre aussi. Voilà. Mon amour. Elle est malade, ma bichette. Dodo, maman, dodo. Maman, Yaïda. Aujourd'hui, je collabore avec cette marque et je suis très contente pour deux raisons. La première, c'est que je suis une fan de gants exfoliants en soie puisque ça n'abîme pas la peau et ça retire toutes les peaux mortes et même ça a plein de bienfaits en général. Mais c'est aussi parce que c'est une marque qui soutient la Palestine. Voilà, donc je suis encore plus fière et contente de collaborer avec Skin Pop. En revenir à la marque, du coup, ici, on voit deux modèles de gants différents. Donc, c'est la même chose. Hein. C'est un gant en soie turque. Donc, c'est 100% soie. Ici, on a la taille pour le corps, donc la large. Et là, on a le petit modèle pour le visage. Parce que vous pouvez les utiliser sur votre corps et votre visage. Et moi, personnellement, je les utilise pour retirer toutes les peaux mortes qu'il y a sur mon corps. Je pense comme 99% de nous tous. Mais sachez que ça traite aussi 15 problèmes de peau. Parmi eux, notamment les boutons, les points noirs. Vous savez, les jambes avec la peau de fraise, parfois, quand on se rase, qu'il y a des petits points. Ça traite vraiment beaucoup de choses. Sans ajouter le moindre produit, on n'utilise que ça. Donc on va le mouiller. Je vais vous montrer sur ma peau ce que ça donne pour que vous puissiez voir l'efficacité. Et c'est une marque qui est topissime. Et vraiment, les gants en soie turque qui exfolient, c'est génial. C'est un peu le même concept que les gants Kessa, vous savez. Sauf que ben, ça n'irrite pas la peau. Voilà, c'est vraiment de la soie qui est toute douce, vous voyez. Donc aucun risque d'irritation. Par contre, c'est super efficace. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous montrer. Donc là, regardez. Je vais zoomer par exemple sur mes pieds, ok. Il n'y a rien, il n'y a pas de savon. On est sur du direct, d'accord. Il faut juste humidifier sa peau avant. Bon, c'est un peu dégueu, mais c'est la nature, on est tous comme ça. On a tous des peaux mortes. Regardez. Truc de fou ou pas? Là, c'est pareil, je vais le faire sur mon autre pied. J'ai rien, j'ai pas de savon. Bouh, c'est dégueu. Mais c'est pour vous montrer l'efficacité de ce gant. Voilà, toutes les peaux mortes, elles sont là. C'est en douceur, vous voyez, je suis pas rouge, je suis pas irritée. J'ai pas frotté pendant 10 minutes pour que ça sorte. J'ai juste humidifié ma peau avec de l'eau chaude. Faites une petite douche comme ça et regardez, il y a tout qui sort. Voilà. D'où l'efficacité. Et ce gant-là, vous faites ça sur tout votre corps, sur vos jambes, vos bras, votre dos surtout. Voilà. Donc on est sur un produit de qualité. Et on sera toute nickel avec ça. Sans avoir 2-3 tonnes de choses à utiliser sous la douche. De l'eau et le gant Skin Pop. Même là, regardez. Vous voyez mes bras? Bon, j'ai beaucoup bronzé aussi, donc c'était nécessaire que je le fasse. Et je vais le faire sur tout mon corps.
Je viens de finir, j'ai bien lavé mon gant, veillez à bien le nettoyer sous l'eau pour pas qu'il reste de peau morte. Vous laissez sécher et après vous réutilisez autant de fois que vous voulez. Voilà, le petit c'est celui-ci pour le visage, donc il a une plus petite taille celui-là. Et il est bien aussi pour traiter l'acné. En fait, à partir du moment où ta peau elle est propre, elle se renouvelle et qu'il n'y a plus de peau morte, la peau ne peut être que plus belle. Et vous avez vraiment vu l'efficacité. Sans pour autant me faire mal ou frotter pendant genre 5-10 minutes, c'est rapide. Vraiment c'est rapide, quelques secondes. Et un truc important aussi, mais passer votre corps sous l'eau chaude pendant 5 minutes quand même. Parce qu'on n'utilise pas de savon, mais c'est bien d'avoir la peau légèrement un petit peu chaude quoi. Voilà, les poils vont encore plus facilement se détacher grâce à ce gant. Et il est super, hein, comme je vous ai partagé. Ici, vous voyez les cicatrices, même les rides, les poils incarnés, les vergetures, les taches liées à l'hyperpigmentation, etc. Donc forcément que la peau elle sera que mieux préparée pour le bronzage aussi. Mais déjà, moi, de base, je l'utilise pour les cellules mortes de la peau. Voilà, les peaux mortes, je ne supporte pas. Avoir des taches après de couleur sur le corps, je n'aime pas. Donc avec ça, votre peau elle sera nickel.